grand Dieu, grands hommes. Le deuxième point, un Dieu dont les dons et l'appel sont irrévocables. Quand vous lisez la Bible, vous êtes dans l'Épître aux Romains. Aujourd'hui, la deuxième lecture est tirée de Romains 9, 1 à 5. Mais Romains 9, Romains 10, Romains 11 a un seul thème. Se pose une question. Beaucoup de Juifs, les compatriotes de Paul, n'ont pas cru en Jésus-Christ, ont rejeté le Christ. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné la puissance de devenir enfant de Dieu. Les Juifs n'ont pas cru. Aujourd'hui encore, ils attendent le Messie. Alors Paul se pose la question. Ça va se terminer ainsi? Les Juifs ne vont-ils pas croire en Jésus-Christ un jour? C'est quand même scandaleux. Car c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu que nous avons sont faites à Israël. Elles ne sont pas faites à nous. Nous les prenons par ricochet. Mais elles sont adressées à Israël. Les patriarches sont les frères des Juifs. Ce ne sont pas des Congolais. Abraham n'est pas Congolais. Abraham n'est pas Togolais. Isaac n'est pas Béninois. Ce sont des Juifs. Mais comment expliquer que le peuple de l'Alliance, à qui Dieu a fait la promesse, à qui Dieu a envoyé le Messie, ce peuple de l'Alliance refuse le Messie? Ça, c'est la réflexion de Paul dans Romains 9, Romains 10, Romains 11. Il regrette, dans la lecture d'aujourd'hui, écoutez ce qu'il dit, « J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante, moi-même pour les Juifs, mes frères de race. Je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. » Il dit « Je suis triste pour mes frères. J'aurais voulu même que je sois maudit. » Parce que ce n'est pas normal qu'ils se perdent comme ça. Alors, quelle est la solution que Paul donne? En gros, je vous épargne des détails. En gros, Paul dit ceci, qu'à la fin, tout Israël sera sauvé. Romains 11, 26. Tout Israël sera sauvé. Et Romains 11, 29, il dit, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Comme Dieu a déjà donné à Israël, comme Dieu a déjà appelé Israël, Dieu ne peut plus se repentir. Dieu ne peut plus retirer ce qu'il a déjà donné. Israël est son peuple, Israël restera son peuple. Malgré les apparences, malgré l'infidélité que vous voyez, malgré les rejets, Dieu Christ par ce peuple élu, le peuple élu sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Romains 11, 26. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, sont irrévocables. Israël sera sauvé. Pourquoi? Il dit encore en Romains 11, 16. Si les prémices sont saintes, toute la pâte aussi. Si la racine est sainte, les branches aussi. Comme les racines d'Israël sont saintes, même les branches seront saintes. Ne vous fiez pas aux apparences. D'après Paul, Israël reconnaîtra son sauveur et Israël sera sauvé car les dons et l'appel de Dieu
sont sans repentance sont irrévocables. C'est très important d'avoir cette foi de Paul. C'est une foi, la foi d'un homme mûr. Parce que nous, nous nous fondons souvent sur les apparences. Quand nous voyons ceci, nous voyons cela, nous concluons, non. Israël ne peut pas être sauvé. Israël a tué le Christ. Certains disent, c'est un peuple déicide. Un peuple qui a tué Dieu. Il ne peut pas être sauvé. Il y a même des chansons que les gens exécutent pour dire que les Juifs sont des mauvais. Ils ont tué le Christ. Mais ici, Paul dit non, malgré les apparences. Sachons qu'Israël sera sauvé. Israël ne se perdra pas, car Israël a reçu les promesses de Dieu. Israël a une alliance avec Dieu. Et Dieu ne peut pas se renier. Quand Dieu a promis, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Quand il a promis, il va le faire. Israël sera sauvé. Israël sera sauvé malgré les apparences. Même si Israël a tué le Christ, même si Israël a tué les apôtres, même si Israël a fait tout ce que vous savez, Israël sera sauvé. Israël sera sauvé. Ça, c'est la conviction de Paul. Et je voudrais l'utiliser maintenant, cette conviction de Paul, et l'appliquer à l'Église. Vous invitez, vous qui me suivez, qui êtes catholique, à accéder à cette maturité de Paul. Parce qu'il y a des catholiques qui sont complexés, qui, à force d'entendre les critiques des autres églises, ont fini par croire qu'ils n'étaient rien, qu'ils n'avaient rien, qu'ils étaient même pires qu'Israël. Écoutez, Paul dit, malgré les apparences, Israël sera sauvé. Et comme catholiques, nous avons une promesse. C'est dans la Bible. Matthieu 16, 18. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit mes églises, mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Matthieu 16, 18. L'église est donc préservée. C'est pourquoi on dit que l'église est infaillible, préservée. Son sauveur l'a préservée de la force, de l'influence du monde des ténèbres. Dieu a parlé, Matthieu 16, 18, les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur l'église. L'église tiendra, l'église subsistera, l'église ne tombera pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, l'église catholique, c'était l'église du Christ, maintenant elle est tombée. Comment l'église du Christ peut-elle tomber alors qu'il y a une promesse ici qui dit, l'église ne tombera pas. Matthieu 16, 18, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église. Mon église. Pas mes églises, mon église. Tout le monde reconnaît qu'au matin de l'histoire du christianisme, il y avait une église. Et cette église, c'est l'église catholique. William Branham, qui est un des grands pourfendeurs de l'église catholique, le dit lui-même. Dans « Pourquoi suis-je contre les religions organisées ?» paragraphe 171. Il dit que c'est l'Église catholique qui a commencé au jour de la Pentecôte. Dans un autre enseignement intitulé « Troisième Exode », page 22, il répète la même vérité. Alors, si l'Église catholique est la première, et si les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, l'Église catholique et aussi la dernière église du Christ, la première et la dernière. Dieu ne peut pas divorcer de son église.
Lui qui nous prêche l'indissolubilité du mariage. Lui qui nous dit, je hais la répudiation. Il n'aime pas la répudiation. Il nous dit que le diable ne vaincra pas l'Église. Parce que lui-même nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors Jésus avec nous, comment le diable peut-il venir prendre l'église de Jésus? Et là les catholiques sont tombés dans le panneau. Oh, vous étiez l'église du Christ, maintenant le diable est venu entrer. Comment le diable peut entrer? Le Christ est là. Le Christ est là. Le diable ne peut rien. Ah, c'est vrai! Quelqu'un peut dire, mais le diable est entré en voyant les péchés des catholiques, les péchés des prêtres, des évêques, des cardinaux. Oh! Mais Israël, c'est la foi de Paul. Il dit, malgré les apparences, bien que Israël a rejeté le Christ, Israël sera sauvé. Au nom des prémices, au nom de la racine, comme la racine est sainte, les branches aussi. Alors, l'Église catholique a des racines saintes. C'est l'Église de Jésus-Christ. Et en tant qu'Église de Jésus-Christ, les portes du séjour des morts, les forces du mal ne peuvent rien contre l'Église. Et la promesse là vaut pour l'Église. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ainsi que vous voyez, depuis des années, depuis des siècles, tout celui qui crée une église s'attaque à l'église catholique, s'attaque aux prêtres, s'attaque aux chrétiens catholiques, s'attaque à la foi catholique. Mais malgré cela, cette foi tient bon. 2000 ans après, plus de 2000 ans après, l'église tient bon. Regardez, je suis là en train de vous parler de l'église catholique. L'Église universelle, l'Église de Jésus-Christ, qui subsiste dans l'Église catholique, malgré les calomnies de toutes sortes. Est-ce qu'il y a-t-il au monde une Église qui a été autant calomniée comme l'Église catholique? Autant de calomnies, autant de mensonges, mais cette Église tient bon, car c'est une œuvre divine. C'est l'œuvre d'autrui de Dieu. Et Dieu veille sur son œuvre. Dieu veille sur le grain. Dieu ne peut pas accepter que son Église puisse sombrer. Dieu garde, Dieu veille sur son Église. C'est très important de le répéter. Parce que si quelqu'un dit « l'Église est tombée », il fait de Dieu un menteur. Parce que Dieu a dit « les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur l'Église. » Ou bien nous suivons ce que Jésus dit, ou bien nous suivons ce que toi tu nous dis. Jésus a dit l'Église ne tombera pas. Mais toi tu viens nous dire, oh l'Église est tombée. Oh l'Église catholique est tombée au concile de Nicée. L'Église est tombée sur base de quel principe? Parce que l'Église d'abord c'est le corps du Christ. Alors si tu dis que l'Église est tombée, le corps du Christ est tombé, comment le corps du Christ peut-il tomber? Le corps du Christ ne peut pas tomber. Dieu lui-même dans la Bible, il nous donne l'exemple parce que déjà, ah mais l'Église est tombée à cause des infidélités. Est-ce que tu as lu les livres du prophète Osée? Le prophète Osée, Dieu lui a dit de prendre une femme, une pute, qui va lui amener des enfants de la prostitution. Et Dieu dit, fais cela pour montrer à Israël que c'est de cette manière que je m'attache à eux. Cette manière que je m'attache à Israël. Israël est infidèle, mais moi je ne l'abandonne jamais. Je ne cesse de le poursuivre de mon amour, malgré ses infidélités. L'Église est maintenue dans la vérité par son fondateur. L'Église est préservée du mensonge par son fondateur. L'Église est préservée de la corruption par son fondateur qui est le Christ.
Alors, c'est celui qui quitte l'église qui nous doit des explications. Et non, nous qui sommes restés. Toi qui es parti, c'est toi qui dois nous expliquer. Tu es parti pourquoi? Tu es parti pourquoi? Parce que Jésus nous a laissés dans l'église. Il nous a laissé une église. Il nous a laissé dans l'église. Et toi, tu es sorti. Explique-nous pourquoi tu es sorti. Il dit, non, venez, quittons l'église, allons dans telle église. Non, c'est toi qui as quitté. Dis-nous pourquoi tu as quitté. Alors qu'il y a une promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et contre elle, les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas. Et écoutez ce texte que j'aime beaucoup. 2 Jean 2, 18 à 19. On dit ceci. Mes enfants, nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure. Vous avez entendu qu'un antichrist doit se présenter. On vous a dit qu'il y aura un antichrist. Et déjà, nous avons beaucoup d'antichrist. D'où nous concluons que c'est déjà la dernière heure. Le nombre d'antichrist qu'il y a dans le monde nous prouve que nous sommes à la dernière heure. Alors, d'où viennent ces antichrists? Il dit, ces gens-là sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ah bon? Les antichrists sont sortis d'entre nous. Ah bon? Sont sortis d'entre nous. Nous sommes catholiques. Nous sommes sortis d'où? Ou ce sont les autres qui sont sortis de nous, sont sortis d'entre nous. Ce sont ceux qui sont sortis qui doivent nous expliquer pourquoi ils sont sortis. La Bible les appelle ici les antichrists. Parce que comment tu peux aimer le Christ sans aimer son corps qui est l'Église? Tu as quitté son corps. Tu as méprisé son corps. Ces gens sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils seraient restés avec nous. Pourquoi ils sont partis? Ils ne sont pas des nôtres. Ils sont sortis de chez nous. Ce sont des antichrists. Mais s'ils étaient nôtres, ils resteraient avec nous. Mais s'ils sont partis, c'est parce qu'ils sont antichrists. Ils combattent le Christ. Ils combattent le Christ. Du coup, il est devenu clair que tous ne sont pas nôtres. Ils sont sortis de chez nous. Et parfois, il y a des catholiques qui sont complexés. Parce qu'il a rencontré quelqu'un de l'église de réveil. Il lui a dit ceci, il lui a dit cela. Les catholiques, c'est complexe. Non! Ne te complexe pas. Toi, tu es dans la parole. Toi, tu es dans la promesse. Tu es dans l'église. Et l'église, c'est le corps du Christ. Et vous voyez, les églises de réveil ont réussi à nous complexer, à séparer le Christ de l'Église. Et vous trouvez même des catholiques qui disent ça. Moi, je suis chrétien, mais bon, j'ai pris partout où on cite le Christ. Non! Christ est inséparable de son Église. Christ tête. Et nous sommes ses membres. Vous ne pouvez pas séparer la tête des membres. Tu crois au Christ, crois en l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Votre corps, c'est vous. Si je gifle votre corps, je ne vous gifle pas, je vous gifle. Or, l'Église, c'est le corps du Christ. Comment tu peux séparer le Christ de son Église? Bien-aimés, comme Paul, grandissons dans la foi. Et croyons que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Et pour l'ancien Israël et pour le nouvel Israël, qu'est l'Église? Les dons et l'appel de Dieu. Dieu a déjà donné. Dieu a déjà une Église. Et c'est l'Église catholique. C'est le moyen ordinaire du salut. C'est par là que Dieu passe pour nous sauver.
Accrochons-nous à cette foi catholique. Elle est riche. Tâchons de la découvrir. Entrons en profondeur. Découvrez votre foi. Beaucoup de gens ont été pressés, n'ont pas eu le temps de creuser, de chercher la profondeur. Ils sont vite partis. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que là où ils sont partis, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Ils ont été déçus. Ils ont fui ici. Oh, les prêtres font ceci. Ils sont allés là-bas. Ils ont trouvé que les pasteurs faisaient encore pire. Ils ont dit, oh, les catholiques sont des aventuriers. Ils sont allés là-bas. Ils ont trouvé encore des aventuriers pires que les catholiques. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a des gens, des églises de réveil, des protestants, d'anglicans, qui reviennent au bercail. Et c'est curieux de voir qu'il y a encore d'autres catholiques qui veulent partir. Non! C'est eux qui sont sortis de chez nous. C'est eux qui doivent rentrer. Sans aucune prétention, sans aucun orgueil, mais en toute réalité, nous fondant sur la fidélité de Dieu. Ou bien cette histoire, c'est une histoire de Dieu, ou bien c'est une histoire des hommes. Si c'est une histoire de Dieu, Dieu dit que ses dons et ses appels sont sans repentance, sont irrévocables. Alors, toi, au nom de quoi tu vas me dire que Dieu a changé? Il a changé où? A-t-il rejeté Israël? Si Dieu n'a pas rejeté Israël, comme Paul le dit dans Romains 9, Romains 10, Romains 11, Dieu ne rejettera pas non plus l'Église qui est le nouvel Israël. Ah mais, dans l'Église, il y a des péchés, il y a des pécheurs, mais où est-ce qu'il n'y en a pas? Où est-ce qu'il n'y en a pas? Où est-ce qu'il n'y en a pas? Ils sont finis. Ces temps où on pensait que les non-catholiques étaient plus saints que les catholiques, c'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Je dis, tout le monde sait. Dans les réseaux sociaux, on raconte n'importe quoi. Ce qu'on raconte sur les prêtres, on le raconte aussi sur les pasteurs. Ce n'est pas le péché qui va chasser Dieu de l'Église. Dieu est fidèle et il reste fidèle. Nous devons nous attacher à la fidélité de Dieu. Dieu, quand il dit une chose, nous devons nous accrocher à sa parole. Dieu dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous. Et c'est à cela que nous nous en tenons. Nous nous accrochons à ses paroles. Nous nous fondons sur ses écritures. Nous nous battons, bien entendu, pour nous convertir, pour nous conformer à cet appel. Mais l'appel est là. C'est à l'intérieur de l'Église que nous nous battons pour nous conformer à l'Évangile. C'est dans le bercail, dans la maison, dans la barque de Pierre. Nous ne quittons pas la barque. Nous restons dans la barque. S'il y a à nous battre, nous nous battons dans la barque, pas en dehors. Quand tu es catholique, il y a trois choses qui peuvent fermer la bouche à tes détracteurs, à ceux qui sont des ennemis de ta foi. La première chose, c'est la connaissance. Si tu es catholique et tu as la connaissance, celui qui s'approche de toi pour te séduire, il trouve que tu as de la connaissance. Il aura de la réserve. Il va trouver que tu connais plus que lui. Il va se taire. Il te donne une écriture, tu lui en donnes deux, tu lui en donnes trois. Il va se taire. Le diable est allé vers Jésus avec « il est écrit ». Jésus a dit « il est aussi écrit ». Et le diable a été vaincu par la parole. Alors, catholique, tu dois connaître la parole. Tu dois approfondir. Tu dois l'intérioriser. Deuxième niveau, pour fermer la bouche à tes détracteurs, c'est ta vie de sainteté. Si tu es catholique, mais tu es mondain, tu aimes la boisson, tu aimes la vie facile, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans le mensonge, mais tout le monde sait que tu vis mal. Et tous ceux qui savent que tu vis mal viendront te parler de leur église, chercheront à te séduire, à t'amener, parce que tu as des problèmes. Mais si les efforts de sanctification sont manifestes dans ta vie, mais celui qui va venir, il aura des problèmes. Il va venir te dire quoi?
Parce qu'il voit que parfois même tu fournis beaucoup d'efforts de sanctification plus que lui. Il va se taire. Il va te respecter. Beaucoup de catholiques sont attaqués par les gens des églises de la veille quand ils constatent que ce catholique-là est un mondain, un homme versé dans la boisson, un homme versé dans l'impudicité, dans le mal, dans le vol, dans toutes les antivaleurs. Alors les gens vont profiter. Ils vont venir vers toi pour te séduire. Troisième niveau, pour fermer la bouche à nos détracteurs, c'est le niveau de la bénédiction. Dieu doit te bénir. Si tu es béni, tu as ton travail, tu as ta bonne santé, tu as ton mariage, tu as tes voyages. Bon, c'est difficile que l'autre vienne pour chercher à te séduire. Parce qu'il va te dire quoi? Parce que souvent, il profite de nos misères. Oh mon frère, tu vois, tu es toujours malade, viens dans notre église, on va prier pour toi. Mais toi, tu as une bonne santé. Oh mon frère, tu n'as pas de travail, viens chez nous. Oh ma soeur, tu n'as pas de mariage, chez nous, on donne les mariages. Chez nous, les mariages, c'est chaque jour ici. Alors que c'est faux, d'ailleurs c'est faux. Dans toutes les églises, il y a des problèmes. C'est ainsi que dans toutes les églises, on chante, on demande à Dieu, on prie. Alors, si quelqu'un te dit que dans son église, il n'y a pas de problème, c'est un menteur. Mais pourquoi vous organisez 30 jours de prière, 30 jours de jeûne? C'est qu'il y a des problèmes. Il y en a partout. Mais toi, catholique, sois éveillé. Que Dieu d'abord te bénisse. Que le minimum que tu dois avoir, puisse être auprès de ton Dieu, que tu l'aies, il faut l'avoir. Même si tu n'auras pas tout, mais que tu aies le minimum, à partir duquel tu peux dire, oui, Dieu est venu dans ma vie, Dieu m'a visité. Même si je manque ceci, je manque cela, mais j'ai déjà ceci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde les bénédictions, parce que les bénédictions vont fermer aussi la bouche à vos détracteurs. Si Dieu vous bénit, les gens, bon, c'est vrai, ils pourront parler, mais quand ils voient que Dieu vous a béni, ils vont quand même se taire. Ils vont dire, bon, lui, il a ceci, il a cela. Qu'est-ce que nous allons encore lui dire? Mais si, en plus, vous ne connaissez pas la doctrine, vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas une vie de sainteté, et en plus, vous n'avez rien, vous êtes malade, vous n'avez pas le mariage, vous n'avez pas le voile, vous n'avez rien, les gens vont profiter pour vous amener n'importe où. Alors, luttez, cherchez la face du Seigneur, chers catholiques. Que Dieu vous donne la connaissance, que Dieu vous donne la sainteté, que Dieu vous donne la richesse. Et ainsi, vous parviendrez à vaincre le diable, vous parviendrez à inviter les autres à venir chez vous, et vous parviendrez à aider les autres à rester. Parce que si un catholique te voit, toi, avec la connaissance, l'effort de sanctification et les bénédictions, beaucoup de catholiques pourraient rester en se fondant sur toi, sur ton exemple, en disant, voilà, un de nos frères, notre coreligionnaire, notre frère dans la foi, il est là, il est catholique comme nous. Dieu lui a donné la connaissance, Dieu lui a donné la sanctification, Dieu lui a donné la bénédiction. Alors nous pouvons rester, son Dieu est aussi notre Dieu, il nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen.